Salut à tous, ben voilà, ça fait maintenant 2 semaines qu'on n'était pas revenu ici. Je continue la vidéo puisqu'elle s'était mal terminée, un problème avec le drone, la pêche n'était pas très folle. Donc voilà, on reprend ici. Alors on est arrivé hier soir assez tard avec mes enfants. J'ai dû monter 2 biwis, poser tout le campement pour 3 personnes, ce qui fait que il n'y a eu aucune canne dans l'eau avant 21h, un peu lancé comme on pouvait. Cette nuit, aucune touche. Et puis là, bah, on verra bien comment ça démarre. Allez, on va aller voir Pedro. Bonjour, ça va les pêcheurs? Pour la mer, cette session là. Ouais, Pedro, un peu de mauvaise session. Il a fait un poisson, des décroches, de la casse, des perruques avec sa tresse. Allez, balancer au bon endroit. Allez. Bon, on est bien là, Pedro, non? Allez, on reprend un peu plus tard. On va attendre que Pedro place ses cannes. Allez, à tout à l'heure. On est là-bas. Il s'en met compte. On va là-bas. Hein. Il vit. Content. Non, il n'est pas trop par rapport à ce qu'on a pris. C'est pas ta session, hein. Juste là, devant l'épuiser. Autre il smoke là-bas. On n'est plus capot. Authentic Carpist 1, Pedro, Pedro Fishing 1, zéro. Authentic Carpist 1, ex aequo dans le match. Moi, je cherche une petite pêche. C'est une sorte d'anglais à l'autre.
Deuxième poisson, on passe devant Pedro Carp Fishing. Authentique carpiste 2. Pedro Fishing du Valais A. Pour moi, troisième mâle, ils sont encore tout tachés de frais. Je pense que la frais est encore là. Donc, non, on tape que les mâles. Ah, le quatrième poisson, c'est mon chien qui. Bonjour les amis. Je salue tout le monde. Bon ben, je fais Pedro Fishing. Je fais comme je peux, mais je suis obligé d'être avec Pedro là. Ah, il n'y a pas de choix, hein. Il n'y a pas mieux. Il n'y a personne d'autre, donc on est obligé de se supporter. À part le poisson. Bon. Comment ça se passe la pêche, Pedro? Compliqué de ma part, elle est compliquée. Hier, je suis bien démarré, mais après... Bah ouais, t'es arrivé hier après-midi? Bon, il fait chaud, hein? Il fait chaud. Là, on a encore de l'ombre. D'ici 1h30, 2h, ça va être difficile ici aussi. Hein. Et puis, bah nous, une touche cette nuit à 3h moins le quart. Et toi, une décroche? Une décroche à 3h40. Donc une heure après une décroche, sinon moi j'ai pas une seule butte de toute la nuit. Par contre, depuis 10h du matin, bah, ça commence à taper nous dans les bordures. Donc elles sont frais, on a vu. Hein. Les mâles, ils sont pleins de latence. Les femelles, on n'a pas bout encore. Par contre moi, hier je suis arrivé, je faisais un poisson, un petit poisson. Après j'ai décroché un deuxième, la nuit j'ai décroché le troisième. Un petit départ cet après-midi, midi, mais rien du tout, parce qu'il n'a même pas expliqué. Et j'arrive pas à trouver trop le poisson, sincèrement. J'ai dit approcher, j'ai dit à éloigner, j'ai dit à bouger les quins, j'ai dit à machin truc. Sincèrement, je me vois mal à trouver le poisson cette fois-ci. Bah, comment tu pêches alors? Est-ce comment t'as quoi comme montage? Comment? Mon montage, c'est un Tiger Knot. Un Derrick 360 avec un pop-up rose qui normalement il fait des miracles, mais cette fois-ci ici, ouais. Pas grand chose. Puis la autre, bonhomme de neige avec un orange Real Drops. Faut souligner la marque. Voici, c'est là, une touche chez les petits. C'est la mienne, c'est la tienne, c'est ta centrale. Si. Donc avec les mêmes bouillettes, les mêmes arômes, la même marque. Et moi je tape et puis Pedro de son côté il a plus rien. Pourtant la pêche est pas fermée, hein, je la ferme pas. Je suis à 3 cannes avec un décalage dans des obstacles et sous un arbre. Et puis la troisième, elle est on va dire à une bonne dizaine de mètres, je pense. C'est plutôt en plein eau là. Une bonne dizaine de mètres de la bordure, si c'est pas plus. Au niveau d'amorçage, moi hier quand je suis arrivé ce matin, j'ai fait un gros amorçage, une bonne quinzaine de secondes, à une bonne 20-25 mètres des obstacles, et je pêche entre l'obstacle et l'amorçage. Ce matin, les premières, ben, elles étaient pleines d'amorçage, hein. On voyait encore toutes ces céréales qui étaient à peine broyées. Une petite pensée pour Titi. Ouais. Qui devait venir, mais il a la jambe dans le plâtre, il s'est fait opérer. Il fallait entendre Pedro hier se lamenter, aujourd'hui se lamenter. Aujourd'hui va mieux. Fait chier ce poisson. Bon, on vous reprend cette activité. On espère. Chez Pedro. Si. Hein? Si. Ça va taper chez Pedro. Oui.
Et puis à tout à l'heure. Bon, avec ces trois ajustes que j'ai eu, avec ces deux ajustes, j'espère bien. On verra bien. Allez, à plus. À plus tard, les amis. Bye. J'ai dû forcer Pedro à prendre ma canne parce qu'il est en train de faire une dépression, le pauvre, parce qu'il perd 5 à 1 là, dans notre match. Oui. Donc, du coup, cinquième poisson et à nouveau un mâle. Bien. C'est juste. Ah, sixième poisson, toujours un mâle, toujours un petit, plein de latence comme vous avez pu voir. Prise en face, un spinner avec un arôme, c'était quoi, je m'en rappelle plus. Bon, on va s'apprêter de la mettre à l'eau, il fait quand même vachement chaud. Enfin, si on n'en perd pas, enfin. Il est où ? Moi, je vois pas bien ça. C'est leur clé de la mère. Attention, l'autre fois, j'ai reçu une faille pour sortir dans les deux. Hein. Mais tu filmais pas. Laisse-toi. Tom, enlève vite. Les câbles, Tom. Oh. Cinquième poisson, enfin. Cinquième départ, deuxième poisson au sec. Cela, ça fait du plaisir, les amis. Heureusement, parce qu'il nous cassait les. Oui. Je mettrai après ou pi ou quoi. Enfin. Prise à la orange. Non. Pop rose. C'était au couleur fâchée. Des rig 360 pop rose. Pop miracle. Boulot est fait. On espère maintenant que ça continue. Encore un petit peu. Wilson. Heureusement que c'est le petit déjeuner, quoi. Sinon on avait un bon plat pour cuisiner. Viens voir le poisson qu'il a, papa, Tilio. J'enlève la quelle table. Maintenant, un fiche plus beau, un petit peu plus grande, qui doit être sous la maison de 35 kg. 10 kg, 7 kg. C'est le quatrième poisson sec. 4 écroches. Puis c'est comme ça que la fonction continue. Et il a plus de nuit, il me semble qu'il a réveillé le poisson.
contre, on continue qu'à attraper qu'il y a des mâles. Donc, les femelles, ils sont dans la maternité. Voilà, les amis. C'est la continuation de l'artiste. C'est bientôt fini, mais... il reste encore là. On la relâche. Voilà le septième poisson. Voilà, c'est avec cette carche que on va clore la vidéo. Et voilà, session terminée. Tout est pacté dans le bus. Session finalement sympathique. On a Gilles qui est venu nous rendre visite, comme vous pouvez le voir. Il a essayé de pêcher au flotte tube. Et puis il a fait une touche d'un brochet. Mais sinon, un peu trop chaud, comme vous pouvez imaginer, pour pouvoir toucher du carnat. Mais voilà, c'était un bon week-end avec pas mal de poissons, malgré qu'elles soient au frais. On a quand même su trouver la pêche. Et je vous dis à dans quelques jours, je pars en gravière. Cette fois-ci, pour à peu près 72 heures avant d'y en repérage, avant d'y retourner pour dans 3 semaines, où là je vais faire une semaine de pêche. Allez, merci d'avoir suivi, à très bientôt, bye bye les amis.